Hey, salut tout le monde, c'est Alexuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon Ultra Lune. On commence l'aftergame, et... Non, on peut pas voir ce que c'est... Un porte-manteau ! Un porte-manteau tout neuf ! Non, ils veulent pas ? Ok, bon. Très bien. Bon, du coup... Oh, un balai tout neuf ! Coucou mon chéri, tu as dormi comme un ronflex ! Oh non... Alola ! Il fait trop beau aujourd'hui avec la petite brise marine qui va bien et tout, ça m'a motivé pour venir te voir et... Mia, mais non, ne sois pas heureux, ne sois pas... Ne sois pas heureux. Tiens, voilà le Miaouz de Kanto. La pièce d'or sur ton front est drôlement brillante, dis donc. Mia ! J'ai une pièce d'or brillante sur ma tête. Mia, Mia. Ouais, c'est bon, on a compris. En fait, Alex, il y a les gens bizarres de l'autre fois qui te cherchaient tout à l'heure. C'est qu'ils ont la cote, les maîtres d'Alola. Allez, viens, je t'y emmène. Alors, les gens bizarres, qui est-ce? Je ne sais pas. Ah oui, oui, les gens bizarres, oui. Toutes mes félicitations, Alex. J'ai appris que tu étais devenu le tout premier maître dans l'histoire d'Alola. Je suis le maître. Cela n'a pas dû être simple de vaincre un dresseur tel que Tilly. En tout cas, ça nous arrange bien que tu sois là. Nous avons une faveur à te demander. À demander au maître d'Alola. Des ultra-chimères sont apparues dans une région reculée de Pony. Elles ont dû venir dans ce monde en passant par l'ultra-brèche que Necrozma a ouvert à l'hôtel de Pony. On n'arrivera à rien tout seul. On a besoin de la force du maître d'Alola. Des ultra-chimères, trop bien. Je vous préviens, Fel Inferno et moi, on va se taper l'incruste, obligé. Très bien, nous sommes honorés de compter deux dresseurs d'élite à nos côtés. On va partir pour Pony dès maintenant. Vous venez avec nous? Oui. Très bien, mettons-nous en route sur le champ. J'espère qu'on va être au... Oh. Ok. Du coup, on va là-bas. Est-ce qu'il y a un moyen de voler près d'ici? Je suis pas sûr. Ah si, aux ruines de l'au-delà, à la limite. En fait, je voudrais faire quelque chose avant. Je voudrais faire quelque chose avant, déjà racheter quelques objets, genre des rappels, des hyper potions, des trucs comme ça. Éventuellement des Pokéballs, même si les Pokéballs, je les ai. Et il me faudrait des hyper balls, des ultra balls. Oh ! Alola ! Ah, Alola, enfin son premier maître, il faut célébrer, c'est votre triomphe et votre visite chez nous, mais voilà, ça va pas, voilà, comptez sur les boutiques, voilà, bienvenue, hein, que désirez-vous ? Maître ! Je suis votre maître. Du coup, hyper potion. Allez hop, on va en racheter 12. Hop, ensuite, des guérisons. Et ben, on va en acheter 7. Voilà. Ensuite, des rappels. Et ben, on en achète 14. Voilà. Antidote. Bon, tout ça, bon, on s'en fout. Total soin à la limite. Hop, allez, on en prend 9. Osef, ça fait pas un chiffre rond, mais on s'en fout. Max repousse, et ben, allez, 8. Et après, sinon, rien. Poké plumé, non, miel. Ok, donc c'est pas ça que je voulais faire au début. J'ai pas pris les hyper balls. C'était ça que je voulais faire. Voilà. Et on va faire ça. Voilà, on va reprendre Vemini. En plus, Vemini a Dracochoc. Donc normalement, s'il monte d'un niveau, eh ben, ça va être bien. Acheter. J'ai pas fait gaffe. Les hyper balls. 37. Eh ben, j'en achète. Voilà, comme ça. Je suis pas. 35. Bon, allez, 35, allez. En vrai, l'argent n'est pas illimité par ici. Hein. J'ai l'impression que mon argent a bien descendu avec tout ça. Allez, vol. On va voler. Bon, c'est chiant. Grand Canyon de Pony. Ah, si, c'est bon. On peut voler ici. On peut voler jusqu'ici. Grand Canyon de Pony. Enfin, non, ça va me faire...
Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Alors, allons voir. Du coup, par ici, c'est l'arbre de combat, d'ailleurs. C'est pas... Ou un truc du... qu'ils avaient... Un truc du genre. Hop. C'est pas l'arbre de combat. Psst, Alex, par ici. Eh, par ici. Un truc que j'ai jamais fait. Il y a une ultra chimère du côté de la forêt de Pony. Ah, mon petit Alex, ou plutôt devrais-je dire maître Alex. Oh, j'adore quand tous mes serviteurs m'appellent maître. Oh, c'est génial. Toutes mes félicitations pour ton nouveau titre. Il te va comme un grand petit cœur. Tilly m'a raconté votre combat final. J'aurais tellement aimé y être. Il est désormais temps pour vous de vous pencher sur le problème des ultra chimères. Bien entendu, je suis là pour vous aider. Et comme on ne travaille pas bien le ventre vide... Tenez. Malasada. Super. Malasada Maxi. Super, c'est génial. Merci, Madame Vicky, on adore les Malasada. Au fait, Gladio m'a confié ce type 0 pour que je te le remette. Prends bien soin de lui. Nice. Type 0 obtenu. On met les données de type 0 sont ajoutées à votre Pokédex. Ouais, bon. Enregistré, c'est super. Bon, je vais le mettre dans mon PC, ça ne sert à rien de le garder. Bon, je m'en fous un petit peu. Voulez-vous donner un surnom? Non. Envoyez dans une boîte PC. Voilà. Ensuite. Il m'a également demandé de te confier cette pile de ROM qui permettent à Sylvalier de son évolution de changer de type. J'espère qu'il reste assez de place dans ton sac pour tous les ranger. Plusieurs ROM, ok. Type 0 a été créé et étudié pour défaire la menace des ultra chimères, mais il est désormais grand temps pour ce petit Pokémon de découvrir le monde qui existe au-delà du laboratoire. On compte sur toi, Alex, cœur. Non, mais sérieux, Gladio qui se fait la malle juste quand je commence à me dépatouiller. Quand il reviendra de son entraînement, je lui en mettrai plein la vue. C'est bon, on y va là, après Bon, bah moi, je vais à la forêt de Pony, salut. Les membres de l'Ultra Commando se sont dirigés vers la forêt de Pony. Ok, nice. Bah, allons-y alors. Donc j'ai jamais été à cet endroit. Hein. J'ai vraiment pas fait grand chose dans l'aftergame de Pokémon Lune. Et cet endroit, je n'y suis jamais allé. Nous vous attendions. Des Ama-Ama rôdent près d'ici dans la forêt de Pony. Ce n'est qu'une supposition, mais il serait pas étonnant que se retrouver ainsi dans un monde inconnu les ait rendus agressifs. Voici quelques Ultra Balls. Normalement, il faut les acheter au Paradis Ever, mais j'ai pu me procurer celle-ci, gratuitement. 5 Ultra Balls, ok. Nice, ah, il faut les acheter là-bas. Ouais, trop cool, merci, mais au fait, pourquoi vous nous donnez ça? Vous voulez qu'on les attrape pour vous? Tout à fait, nous ne voulons que le bonheur des Ama-Ama. On l'a bien vu avec Necrozma, il ne faut pas tenter de maîtriser ce genre de créature. Le mieux que l'on puisse faire, c'est de les protéger. Alors si vous pouviez nous attraper quelques Ama-Ama pour qu'on les étudie, vous nous rendriez un grand service. C'est pour leur bien à eux aussi. Eux aussi. Pas de soucis. Allez Alex, on y va, les Ama-Ama ont besoin de nous. Ama-Ama, vous êtes là? Il est con. Je crois que j'avais vu... Une Pokéball lead ici. Du coup, les Ama-Ama... En fait, les Ultra Balls, je comprends pas le... Enfin, j'ai pas totalement compris le concept. En fait, c'est... On ne peut capturer les Pokémon... Les Ultra Chimères qu'avec des Ultra Balls. Ou alors, c'est... Augmente... Ou alors, les chances sont augmentées si on les affronte. Enfin, si on les capture avec les Ultra Balls. Bon, je ne sais pas. Alors, un seul Pokémon Luigi. Luigi, le karatéka. Shaofuin. Metalos Go. Oh là là, qu'est-ce que tu vas avoir comme type, toi? Attaque. On va lui faire Psy-coup de boule. Psy-coup de boule, mais je crois que ça doit être un truc combat psy, ça. Non, ça va. Il s'est fait one shot. Il s'est fait one shot à 2701. Vous avez tué Luigi? Tu me brises le cœur. Super. Super, ouais. Non, je m'en fous. Je t'ai brisé le cœur, c'est bien fait pour toi. Hein. Donc, je ne sais pas de quel type seront les Ama-Ama.
Anti-Magicaro, Anti-Magicaro. Mais on va prendre Spécial Plus. Alors. Est-ce que c'est un Ama Ama? Ah ouais, sacré Ama Ama, en tout cas. C'est super. Je le reconnais bien là. Ouh, 53. Emphase, fuite. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin puisque je pense que Tilly, comme il est inutile. Et... Ah! Changement de musique. Là c'est un Ama Ama, je pense. C'est quoi? C'est ça? Un Ama Ama après. Ok. Ama Ama dégage une aura qui augmente beaucoup sa défense. Donc ça c'est une des nouvelles ultra chimères. Niveau 60. Et du coup t'es quoi? Défense bien augmentée. Marteau point. Je veux pas le one shot quand même. Avec sa double défense. Ok, c'est super efficace. Tête de fer. Oui. Essayons. Essayons les Pokéballs, les Ultra Balls. Une Pokéball spéciale créée pour pouvoir capturer les Ultra Chimères. Chez Ultra Chimères, elle n'est pas du tout efficace sur les autres créatures utilisées. Du coup. Ouais, non, c'est une Pokéball normale, quoi. Ok, donc il va falloir que je lui fasse plus de dégâts. Attaque. Centrifugifle. Même si je pense que... Ok. Utilise tête de fer. Eh, tu fais mal, hein. Tu fais vraiment mal, centrifugifle, encore. Faut le mettre dans le rouge, là. Bim. Ok. On prend pas de dégâts. Mais arrête avec ta tête de fer. Coup critique. Sac. Potion max. Je cherche l'ours. Comme ça on peut rester plus longtemps avec lui. De toute façon il a une bonne défense chez l'ours. On utilise tête de fer encore. Ouais, il fait à peine moins de 50, donc on résiste bien. Aéropiqué, je pense que ça fait pas du tout de dégâts contre lui. Allez, rouge. Je pense que je vais encore lui en mettre une. Une centrifugifle. Et bien sûr, je vais choper un coup critique. Double coup critique, là. S'il me remet un coup critique, ça va être terrible. Enfin, si moi, je mets un coup critique, je veux dire. Je m'embrouille tout seul. Ok. Sac, let's go Ultra Ball. Ultra Ball. Allez, là on le capture. 1, 2, 3. Ouh. Et hop, Ama Ama attrapé. Par contre, il faut en attraper combien? Genre, moi, 1, ça me suffit, hein, les gars. Niveau 62. Nice. Surpuissance? Qu'est-ce que c'est que surpuissance? Une attaque puissante, mais qui baisse l'attaque et la défense du lanceur. Non. Non, non. Ah, Junko monte au niveau 70. Hein. Faudrait que je remplace Junko par un autre Pokémon. Junko, ça va, là, il est bien. Hein. Faudrait... Je vais pas mettre Malamandre. Non, je vais pas mettre Malamandre, puisque non, ça ne sert à rien. Roche acier. Ah oui, c'est normal qu'il ait pris quand même pas mal de dégâts. Non. Et on l'envoie dans la boîte PC. Quoique, il était roche acier. Non, j'ai déjà un Pokémon acier, j'ai rien dit. Par ici, Alex! J'étais dans l'autre sens. Hein. Feu, il était trop fort cet Ama Ama. J'étais pas prêt de l'attraper. Il devrait se tenir tranquille pendant un moment, c'est déjà ça. En attendant, on va en profiter pour collecter des données et protéger les Ama Ama avec la Fondation Ever. En effet, mais il reste encore quelques Ama Ama dans la nature. Ok, on va aller voir, je vais en attraper un pour voir cette fois. Pour vous cette fois. Ama Ama, où êtes-vous? Oh, il faut encore en capturer! C'est chiant! Allons plus loin, hein, si jamais on peut avoir des Pokémon sauvages. Des Pokémon sauvages, des dresseurs. Les canons.
Le canon, puisqu'on ne l'a pas utilisé dans le dernier combat de la Ligue. Tu m'as fait peur. Ready, go! Wow. Oh, you are so English. Ready, go! Godefroy. Godefroy. Serpang. Bah, c'est bien, hein. Moi je suis tombé sur un mec qui utilise des Pokémon haut. C'est bien, attaque. Tonnerre. Ah, la vive griffe qui permet d'attaquer plus en premier. Le serpent KO, one shot, c'est bon ça. C'est bon, 2800, voilà. Ensuite, ossature. Ossature, changer de Pokémon. On va prendre Oratoria. Je ne sais pas ce qui va nous sortir. Je ne sais pas si ça va être un ossature d'Alola ou de Kanto. Mais autant sortir Oratoria qui peut de toute façon les one-shot tous les deux. Ah, d'Alola. Aria de l'écume. Et ensuite, voilà. Bon, ils se défendent pas trop, hein, les dresseurs ici. Bon, j'ai des Pokémon absolument cheat actuellement, mais... Mais bon. Guerriaigle. C'était normal vol, hein, on avait... Métallos. Métallos avec éboulement. Mais puisque non. L'autre, il est insecte, on peut pas le mettre contre. Sinon, ça aurait été cool de mettre un Pokémon électrique. Hop, attaque, éboulement. Alors, est-ce que ça passe? Voilà, le one-shot sur les trois Pokémon. Du coup, j'espère... Non, mais franchement, j'espère qu'ils vont pas nous faire capturer un milliard de Amahama, là. Game over! Et l'évolution de Vemini. Nani? Vemini évolue? What the fuck? Is it even possible? Bon, j'espère que lui va valoir un petit peu plus le coup, quoi. Mais le problème, c'est qu'il XP pas. Après, j'ai trop l'habitude de mes autres Pokémon. Bon, il a évolué en Mandrillon. Le problème, c'est que il évolue trop... Enfin, je ne l'ai pas eu en échange. Du coup, c'est vrai qu'il gagne moins d'XP que les autres. Mandrillon. Enregistré. Elle est Pokédex 23%. Poison dragon. Et donc on a un Pokémon dragon dans notre équipe et ça c'est cool. Qu'est-ce que tu apprends? Tranchère. Oublier une capacité, oui. Est-ce qu'il a des bonnes stats? Est-ce que t'as les bonnes stats? Attaque. Bon, il est surtout agressif en fait. À la place de toxique. Je m'en fous d'empoisonner les Pokémon adverses. 1, 2, tadam! Tada! Ouais, on va dire qu'il est cool. Alors, est-ce que par là, du coup, on aura plus. Pleine de pony. Non, je pense qu'il faut les capturer là-bas. Forêt de pony, ouais, c'est dans la forêt de pony. Ils ont dit qu'ils étaient là. Voilà, un autre Amahama. Je sais pas pourquoi le premier Pokémon qu'on avait rencontré c'était pas un Amahama. Je pense qu'ils font. Je pensais qu'ils le faisaient. Qu'ils forçaient l'apparition. Du coup, il augmente encore ses stats. Qu'est-ce qu'on peut faire contre lui? Tonnerre. Tonnerre paralysie. Éventuellement, ça peut être cool. Attaque. Bourdon. Il fait bien mal. Oh! Ce n'est pas très efficace. Ouf. Ouch. C'est super efficace. J'ai bien vu ça. Ultra Ball. Utilisé une nouvelle fois. Après, il faudra qu'on aille. Je pense qu'en off, j'irai en racheter chez Ever. Nice. Deuxième Amahama. Et du coup, Tilly n'en a pas capturé?
J'ai pas trop compris, mais il me semble que c'est ça. Hein. C'est ce qu'il voulait dire, c'est qu'il en a pas capturé. Votre équipe gagne de l'expérience. Super. Voulez-vous donner un surnom, non? L'a envoyé dans une boîte PC. C'est super. Comme ça, je vais pouvoir l'envoyer en échange miracle. Ça fera plaisir à des gens. Alex! Oh. Je venais toujours pas de là. Tilly m'a confié Lama. Qu'il a attrapé. Lama. Parfait. Avec l'aide de la Fondation, on devrait pouvoir obtenir des données pour protéger ces ultra-chimères. On voit que vous êtes des dresseurs de très haut niveau. Merci beaucoup pour toute votre aide. Sur ce, nous avons affaire. J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir un jour. Ok, ciao. C'était trop cool de se battre contre un adversaire comme ça. Mon Félin Inferno aussi a adoré. Enfin bref, on rentre. Ouais. Faudrait que je change de fringue un jour. Le lendemain. Je pense que ça veut dire qu'on a été soigné. Ensuite, du coup, le lendemain, on se réveille la nuit. Bon, j'ai laissé traîner cette affaire trop longtemps. Maintenant que Alex est devenu maître d'Alola, c'est le moment ou jamais pour ranger tout ce bazar. Miaouss, à l'attaque! Pas de carte pour les cartons! Mia! Hein? Tiens, qui ça peut bien être? What the fuck? Qu'est-ce que tu veux, toi? Phew, Alex, je... figure-toi que... Bonjour. Ah pardon, j'étais tellement pressé que je suis entré sans être invité. Vous êtes un ami d'Alex, j'imagine. Enchanté, je suis sa maman. Comment tu sais où j'habite? Sale hacker, Mia. Ça, ma maman, mais... bonjour, Chris. Pardon, ok, cool, je me suis calmé. J'ai besoin de ton aide, Alex. Un groupe de gens bizarres a débarqué de nulle part. Et se sont emparés de la place festival. Ah ça c'est tout autre chose ça. Oh oh. La fameuse nouveauté de Pokémon Ultra Lune, Ultra Soleil. C'est comme si l'espace était distordu tout d'un coup et ça a modifié le programme de la place festival. Maintenant le château a changé de look. Que c'est classe! Oh, je savais que tu penserais comme moi. J'aime bien le côté château du boss de fin. Bon, le pirate a dû utiliser une faille dans le code, mais quand même. Pour le faire, faut le faire pour passer à travers mon imbattable système de sécurité. On a affaire à des pros, là. Alex, aide-moi. J'ai besoin de toi pour reprendre le contrôle de la place festival. Tu veux bien? Oui. Yes, avec le maître d'Alola à mes côtés, c'est comme si c'était déjà réglé. Bon, bah, allez, let's go, gloup. La team R. Alors, du coup... Oh, oh. Je suis quelqu'un habillé en noir. R. Et qu'est-ce que vous faites là, vous? Personne ne devrait être capable d'approcher le château Rocket. J'ai les droits d'admin. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu utilises des mots compliqués pour te payer ma tête. C'est ça, hein? Bah, pour ce que ça change... Le château Rocket est sous notre contrôle, vous pouvez rien y faire les morveux. Si vous faites pas partie de la team Rocket, vous êtes pas les bienvenus. Moi, apparemment, ces pirates se font appeler la team Rocket. Ma place festival tombée entre les mains de ces noobs. Par contre, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par le château est sous notre contrôle? Laisse-moi vérifier. On ne sait pas où est-ce qu'il vérifie, mais... Ah, j'ai pigé! Ils ont ajouté une exception dans le programme qui nous empêche d'utiliser les Pokémon de notre équipe. Et bon, ça craint, ça. Comment chasser la Team Rocket et du château si on ne peut pas utiliser nos Pokémon? Il doit bien y avoir un moyen. J'imagine que ça doit être ça. Ça fait quoi, ça, si je vais sur ça, là? Non. Le château Rocket est sous notre contrôle, vous pouvez rien y faire. Si vous faites... Il faut faire partie de la Team Rocket, alors. Avec tous ces dresseurs en solution qui se pointent, on va pouvoir se mettre plein de Pokémon dans les poches. Il en jette notre château Rocket. Son design de fou va plonger dans le monde dans des tourbillons de douleur. Je pense que c'est ici alors. Non, pas du tout. Personne ne peut utiliser ce Pokémon, ni les intrus, ni nous. Par contre, on peut utiliser les Pokémon d'autres dresseurs. Merci la chance de combat. Alors, t'as trouvé le moyen de kick la Team Rocket de la place festival? C'est quoi l'astuce? Ça?
Mais, du coup, il faut que je lui parle. Alors, t'as trouvé le moyen de kick la Team Rocket de la place festival, c'est quoi l'astuce? L'agence de combat, l'équipe de quelqu'un d'autre. L'agence de combat? Eh mais t'as raison! Les règles de l'agence de combat permettent de combattre avec l'équipe de quelqu'un d'autre. Donc c'est pas grave si on peut pas utiliser nos propres Pokémon. Génie! Attends un peu! Accès des bugs administrateurs, redémarrage du programme d'accueil. Super. Et hop, je nous ai donné les droits d'accès à l'agence de combat. Désolé, mais je crois que c'est tout ce que je peux faire pour t'aider. Vas-y Alex, bats la Team Rocket grâce à l'agence de combat. Moi, je vais essayer de récupérer tous les droits d'accès entre-temps. Bah, let's go. Bonjour! Bienvenue à l'agence de combat. À l'agence de combat, vous pouvez emprunter des Pokémon pour combattre avec les invités de votre place festival. En tant qu'agent, vous montrez... Ouais, les Pokémon sont très forts, mais plus vous progressez, plus ils seront puissants. Votre mission, monter en grade pour devenir meilleur agent. Comment ça... Alors, participer à une préparation au combat. Commencez par vous lancer dans une mission, ok? Très bien, passons maintenant à la préparation au combat. Que voulez-vous faire? Choisir un Pokémon. Voici notre sélection actuelle. Quel Pokémon voulez-vous emprunter? J'hésite entre Scizahyox et Nidoking. Mais je vais prendre Nidoking. Voulez-vous continuer? Oui. Vous avez emprunté Nidoking. Ensuite, il vous faut trouver des coéquipiers pour vous accompagner au combat. Mais personne ne semble disponible. Utilisez Street Pass pour rencontrer des dresseurs susceptibles de devenir vos coéquipiers. Maintenant, complétons votre équipe. Je vais vous présenter à des dresseurs qui seront ravis de faire équipe avec vous. Vous avez invité Festifan à rejoindre votre équipe. Vous avez invité machin. Commencez par vous lancer dans une mission. Participez à une mission. Enfin, nous demandons respecter le code vestimentaire de la chance. Bon courage à vous. Veuillez monter sur le téléporteur. J'ai jamais fait ça non plus, hein. J'ai vraiment pas fait grand chose. Oh man. Super, j'ai des lunettes. Laissez-moi vous présenter vos coéquipiers. Quelle joie de te rencontrer, je m'appelle Festifan. Et moi je suis Festifan aussi, Alola. Laissez-moi installer le programme de combat type Team Rainbow Rocket. Oh, t'es qui toi? Je vais t'apprendre le respect. Oh, j'adore. La petite musique qu'ils ont mis. Alors, sbire de la Team Rocket veut se battre avec 3 Pokémon. Et du coup, moi, à part le Nidoking, j'ai quoi? Un Nidoking, là, en face. Nidoking. Alors, déjà, on va regarder nos Pokémon. Déjà, mes attaques. Séisme, direct toxique, Mégacorne et Abri. Ça va? Attendez, pour les Pokémon. Grotanemorve et non mais oui. Il a une Insectozélite, ok. Non mais oui. Mégaphone, Fatal Foudre, Blizzard, Déflagration, ok. Détricanon, Ombre Portée, Casse-Brique. On va mettre, on va changer avec non mais oui. Non mais oui. Voilà. Nosferatu utilise morsure. Ah. Bon, ça va. Alors, attaque. Fatal Foudre. Putain, mais les attaques qu'il a quand même. Fatal Foudre, il est à combien? 70. Et Blizzard, 70 aussi. Bon, c'est pas grave. Fatal Foudre. Cruel. Ouais, utilise Fatal Foudre. Tu rates pas. Tu ne rates pas. Oh. Je crois que j'ai jamais vu cette attaque dans... J'ai déjà dû voir cette attaque dans Pokémon Ultra... dans Pokémon Lune. Toxique, ok, je vais l'empoisonner. C'est un petit peu dommage, mais tu l'as empoisonné. Est gravement empoisonné, utilise Blizzard. Voilà. Ça, c'est KO. Il va nous sortir encore un vieux Pokémon de la Team Rocket, puisque là, il nous a sorti le Nosferalto, le classique. Un Ratatak. Ratatak de Kanto. Déflagration. Déflagration, duo. Il utilise puissance. Je vais utiliser le non mais oui, mais jusqu'à la fin. Déflagration. Putain, mais il ne rate aucune attaque. Ok, le poison. Toujours le poison, on va faire Fatal Foudre encore. Si je pouvais le paralyser. Bon, la mort sur OK. Fatal Foudre.
Mais il ne rate aucune attaque, même avec les 70%. Wow. Nani, une Béoran, une B machin. Béoran, ok. Juste une Béoran pour 10 PV. Attaque. Mégaphone. Trop fatal. Ah, il va le mettre KO. Ah non, même pas. Mégaphone. Ah, ça c'est KO. Eh, il a quand même fait un 2v1. Il est rentabilisé le nom, mais oui. Hein. Il a mis KO 2 Pokémon pour sa vie. J'aimerais bien utiliser le Nidoking. Et du coup, Insectozide, Vive Griffe, Lunette Choix. Lunette Choix, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Insectozide. Est-ce que j'ai déjà vu la... Ok, un petit poison pour mon pote. J'aimerais bien faire l'attaque de type Z. L'attaque Z. Votre équipe est tendue, il ne peut plus. J'ai pas vu le reste. Ah, mais c'est pas très efficace. Méga. Ça aurait été cool, méga corne, mais non. Allez, séisme. Allez, one-shot-le. C'est bon. Et voilà. J'adore Nidoking. Vous avez battu sbire de la team Rainbow Rocket. Ça devrait être interdit. Ok, c'est nous qui avons dit ça. Oh non. J'y crois pas, moi, perdre contre Aminus. Mais c'est de la triche, c'est pas du jeu d'utiliser les Pokémon d'autres personnes. Zut, et vous, là ah. Protéger le château Rocket coûte que coûte, il en va du plan de l'autre boss. Ok, on a réussi, reboot du système. Ah. Attention, ça va aller vite. Hashtag, non, hashtag, slash kickban Team Rocket. Je suis pas sûr que kickban soit une vraie commande, mais ok. Slash ban. Et voilà, problème réglé. Merci pour ton aide, Alex. J'ai pu reprendre mes droits d'administrateur pendant que tu détournais leur attention. Je leur ai collé un bon ban permanent. Je pense qu'on ne les reverra pas de sitôt. J'en ai profité pour tout remettre comme c'était avant. Et le château? Tu gardes leur style? Bah, c'était pas des gens bien, mais faut avouer qu'esthétiquement, ils étaient au point. J'ai ajouté leur design au thème. J'ai préparé des données de boss pour aller avec ce château. Si tu veux changer l'apparence du château, augmente le rang de ta place festival. Et puis quand même, après avoir réussi cette quête, t'as bien mérité une récompense. Un bouton fuite. Poche objet. Je sais pas ce que c'est. Heureusement que t'étais là quand même. Allez, on rentre. Et là, ils vont me dire le lendemain. Non. Ok, il s'en va. C'est bon, maman, t'as rangé les cartons. Mia! Oh, regarde cette télé, waouh! Regarde, Alex, Miaou, ça a pris un nouveau tour l'autre jour. Miaou. Miaou s'allume la télé. Putain, waouh. Tu as vu comme il est habile? Il m'a probablement vu me précipiter pour regarder mon feuilleton préféré et il m'imite. Mia! Mais qu'est-ce que c'est inutile? Non, en vrai, quand tu veux pas te lever, tu dis, Miaou, va allumer la télé. Flash info spécial. La Fondation Ever tient une conférence de presse à propos du nuage noir qui est apparu au-dessus de Pony. La présidente va prendre la parole. Nous comprenons que le nuage noir ayant englouti Pony suscite les inquiétudes de la population. La source de cette obscurité a été identifiée. Il s'agit d'un Pokémon répondant au nom de Necrozma, mais dont nous ne savons rien de plus. Cette créature a quitté sa dimension pour venir se nourrir de la lumière d'Alola en traversant ce que l'on appelle une ultra-brèche. Chuchotement, Necrozma, se nourrir de la lumière? Mesdames et messieurs, du calme, je vous prie. Un dresseur courageux et volontaire a déjà repris le contrôle de la situation. Alola ne sera pas dévorée par les ténèbres. Flash, flash. Et c'est quoi le truc qui est à côté? Ah non, c'est... La Fondation Ever continue son étude des ultra-brèches afin de s'assurer qu'une telle situation ne se reproduira pas à l'avenir. Concrètement, nos recherches portent sur... Oula. Mais... Mais... Ce n'est pas possible. Une ultra-brèche, ici, mais...
Oula. Oh. Ah! Mais qui êtes-vous? La fondation de votre monde possède des technologies fascinantes. Je sens que vous serez d'une grande utilité à la Team Rocket. Ou plutôt à la Team Rainbow Rocket. Est-ce vous qui avez ouvert cette ultra brèche? Attendez, je vous somme de vous arrêter. Madame la Présidente, revenez! Allô, les studios, me recevez-vous? La situation est très confuse ici. La Team Rainbow Rocket, est-ce une sorte de happening? Nous tentons d'en savoir plus. Mais genre, il n'y a pas de régie pour arrêter ça? Pokémon Ultra Lune, l'épisode RR. Rainbow Rockets. Intéressant. Ça va être cool. Les programmes télé de nos jours, franchement. Mia! Tiens, qui est-ce? Alex! Alola, ma petite Lily! Alola, je suis arrivé. Je suis désolé d'arriver ainsi sans avoir été invité, mais. Alex, est-ce que tu regardais la télé? Tu as vu ce qu'il s'est passé? J'ai tout vu. C'était terrifiant, une ultra brèche s'est ouverte et je n'ai pas très bien compris ce qu'il s'est passé ensuite. C'était peut-être une mise en scène, une pub pour quelque chose, ou que sais-je? Je suis sûr que mère ne court aucun danger, mais je vais en avoir le cœur net. Je me rends au Paradis Ever. Excusez-moi encore pour le dérangement. Bon, on y va. Oh, elle est déjà partie, quel dommage. Pauvre Lily, elle avait l'air inquiète. Alex, tu veux bien t'assurer qu'elle va bien? Bon, ouais, on va y aller. Mais au prochain épisode. Donc n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas fait. On se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde.